On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit Luc Guérin pour nous parler d'un investissement de 7 millions de $ à l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, on complète notre tournée des candidats dans les différents districts électoraux. Cette fois, les districts 9, 10, 11 et 12 avec les candidats de l'équipe Paradis. On vous présente maintenant les candidats des districts 9, 10, 11 et 12 de l'équipe Paradis. Je vous les présente dans l'ordre. D'abord, Christine Bourassa dans NDA et Saint-Gérard-Est. Bonsoir à vous. Bonjour. De même que José Coulombe dans Prévert et Normandie-Ouest. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de l'invitation. De même que Luc Sans-Façon dans Jean-Talon et Normandie-Est. Bonsoir. Bonjour. Et Frédéric Harwood dans 80 et Île-Sainte-Thérèse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Atto. Je vais commencer avec vous, Mme Bourassa. Parlez-nous de vous, de votre implication communautaire, professionnelle. Bref, qui êtes-vous? Bon, mais moi, je suis une conseillère financière de carrière. Et bon, je me suis beaucoup impliquée depuis plusieurs années au niveau du CA, du Cégep de Saint-Hyacinthe, entre autres quand j'étais étudiante, j'étais trésorière de l'association étudiante. J'ai siégé aux côtés de Léo Bureau-Blouin d'ailleurs. Ah oui? Oui, oui. Ensuite de ça, je me suis occupée des loisirs de Saint-Dominique, municipalité où j'ai habité plusieurs années. Donc, je m'implique présentement dans HAI, qui est Handicap Action Intégration. Je suis membre du CA aussi. Donc, beaucoup d'implications, mais jamais au niveau du municipal, jamais au niveau de la politique. Ça, c'est nouveau pour moi, par exemple. Et pourquoi? C'est M. Paradis qui m'a approché. Je vous dirais que j'étais froide à l'idée au début, mais après ça, il m'a parlé, il m'a dit, parce que je vous dirais, je ne connaissais pas beaucoup. C'est vraiment nouveau pour moi, la politique. C'est un nouveau volet de ma vie. Et je disais, je vais-tu être capable? Puis finalement, son idée d'amener des citoyens ordinaires à apprendre à s'impliquer au niveau de la population, ça, c'est venu vraiment me chercher. Donc, c'est ce qui m'a allumé. Et le côté vert de M. Paradis, c'est ce qui a fait que j'ai dit, OK, oui, je fonce. Bref. Mme Coulombe, parlez-nous de vous. Vous êtes dans l'enseignement? Oui. Moi, je suis enseignante au primaire, en sixième année, surtout à l'École Marie de Rome. Ça fait 22 ans, mais j'ai mon beau petit jacket de 25 ans, là. Alors, moi, j'ai fait toutes sortes de bénévolat dans ma vie. J'ai fait, entre autres, le CR de l'hôpital. Et mon dernier bénévolat, c'était en soins palliatifs. Et là, j'ai vraiment connu ce que c'était qu'être auprès des gens, les entourer. Moi, je m'occupais surtout des familles. C'était plus ça. Je me suis occupée, oui, des gens qui étaient à l'article de la mort, là, mais je me suis occupée beaucoup des familles. Je voulais vraiment... Tu sais, eux autres aussi, ils vivent des choses. Alors, eux autres, je les enveloppais. Donc, le bien-être des gens m'importe beaucoup. Et pourquoi ce désir de faire de la politique municipale en 2013? Bien, un peu comme Christine, au début, quand M. Paradis m'en a parlé, j'ai dit non, mais j'ai siégé avec lui sur beaucoup d'organismes, puis je sais comment il travaille. Lui, quand il prend un dossier, il mène jusqu'au bout, puis j'aime ça, je fais ça aussi. Alors, je dis bon, OK, j'essaie. On plonge. Monsieur Sans-Façon, pourquoi plonger à votre tour? Plonger à votre tour dans la politique, c'est que je voulais m'appliquer socialement. Je cherchais un organisme à la base. Puis quand j'ai vu le concours 1830 organisé par Alain Paradis, j'ai réfléchi un peu. J'ai attendu. J'ai posé ma candidature. J'ai parlé avec Alain parce que, oui, je connaissais pas beaucoup la politique municipale. Je connaissais la provinciale, fédérale, municipale, non. Moi, je pensais que ça allait être 40 heures semaine. J'ai mis ça de job. Après, on parlait avec des heures et des heures. Puis en me montrant, il y avait son côté respectueux, honnête. Puis il m'écoutait dans mes idées aussi. Je me sentis vraiment impliqué. Ce qui fait que je me suis lancé dans le concours à fond, puis c'est ça, je suis là en ce moment. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25. Vous œuvrez dans quel domaine? Avez-vous terminé les études? Et si oui, dans quel domaine? Je suis en transformation des aliments. Ce qui veut dire tout ce qui est viande, lait, le pain, tout ce qui touche à l'alimentaire industriel, je suis. En ce moment, je suis en assurance qualité dans une entreprise qui s'appelle Cargill, qui s'occupe de la viande. Parlons de M. Harwood maintenant. Parlez-nous de vous, de votre implication et de votre parcours professionnel. Moi, bien, premièrement, je travaille pour la coopérative laitière qui regroupe les fermiers du Québec, en tout cas une bonne partie d'entre eux, en stratégie commerciale. Donc, ce n'est pas tout à fait vente, ce n'est pas tout à fait marketing. C'est un petit peu un hybride entre les deux. Donc, une implication avec notre clientèle. Et puis, je travaille aussi depuis une quinzaine d'années comme moniteur de ski aussi, donc à Saint-Bruno. Donc, je travaille avec le public aussi, public un petit peu différent de mon travail ordinaire. Donc, entre autres, puis on est venu s'établir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu pour élever notre famille par la suite. Et pourquoi faire de la politique municipale? Bien, justement, parce que c'est sûr qu'il y a toute une certaine vague de cynisme aussi dans certains cas. Je pense que ça peut polariser un peu les gens. Et puis, nous, on a choisi Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir justement fonder la famille, la faire grandir ici. Donc, on s'est dit, on est ici à long terme. Et puis, justement, pourquoi ne pas prendre action à ce niveau-là?
M. Paradis, bien, je le connaissais via une connaissance. On a une connaissance commune. De fil à l'aiguille, on a discuté, puis nous voilà. Madame Bourassa, quels sont les enjeux et les priorités dans le district 9, qui est Notre-Dame-Auxiliatrice et une partie de Saint-Gérard? Je vous dirais la sécurité en prime abord. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte les derniers jours et les gens, c'est extraordinaire comment ils me disent que ça roule vite, c'est dangereux dans le secteur. Donc, je crois que ça serait à mettre en numéro un de trouver des façons de ralentir la circulation. L'opération policière, beaucoup, ça va être super important et ce, à court terme, parce que la sécurité des personnes âgées et des enfants peut être parfois compromise. Et je vous dirais, je l'ai vu aussi en porte-à-porte, j'en ai vu passer, que je me disais, ouf, une chance qu'il n'y ait pas de police. Vous parlez de l'implantation d'un parc à chiens additionnel dans le district. À quel endroit ça pourrait se faire? Ça n'a pas été étudié. On n'a pas encore choisi l'endroit. Il y a plusieurs possibilités. J'ai tâté le pouls justement à savoir si les gens étaient pour ou contre. Et c'est très favorable. Les gens sont très favorables à l'idée parce que présentement, les gens ils vont au parc-école de l'école Saint-Gérard, laissent les chiens lous. C'est pas adapté. En plus, c'est illégal, interdit, là. Donc, les gens sont très favorables. Maintenant, il va falloir regarder qu'est-ce qui va être le moins coûteux et le plus pratique, le plus proche de tous les gens. Là. Et vous parlez de l'installation de dos d'âne à proximité de l'école Saint-Gérard? Oui, effectivement, pour ralentir la circulation. Et peut-être qu'il va y avoir plus que juste autour de Saint-Gérard. Finalement, ce taux porte-à-porte, là, je me suis rendu compte qu'il y a plus que juste autour de Saint-Gérard que ça roule très, très vite. Donc, ça va être à étudier. Madame Coulombe, dans Prévert et Normandie-Ouest, c'est un district qui est pas mal tout développé, séparé par l'autoroute 35, une nouvelle partie Prévert, plus vieille partie dans Normandie. De quoi les gens vous parlent-t-on? Quelles sont les priorités et les enjeux? Ce que les gens me parlent beaucoup, c'est la circulation. Alors, sur Alexis Lebert, entre autres, beaucoup sur Berthelot et sur Douglas. Et vraiment, je pense qu'il va falloir faire des interventions de la vitesse, des gens qui ne font pas leur arrêt. Il y a beaucoup de jeunes familles, surtout sur le côté Prévert, il y en a plus. Donc, c'est sûr qu'on va voir la rue Douglas qui est actuellement à se développer. On va voir ça à l'œil. Et moi, sur le côté le secteur Prévert, je voudrais faire un chalet pour les adolescents, faire quelque chose. Et dans mon porte-à-porte, j'ai justement rencontré un homme qui s'occupe d'une maison des jeunes à Sainte-Catherine, qui m'a dit qu'il serait... Il serait prêt à m'aider. Là. Ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses pour les jeunes familles, mais ce serait le fun de, aussi que les ados soient occupés un peu plus. Là, ouais. Vous parlez également de la réfection de la rue Bernier, parce que là, on sait qu'il y a eu le BMR là, qui s'est construit. Oui. Il y a d'autres, l'ancienne pratique de golf, là où il y a un autre bâtiment, etc. Donc, cette portion-là de la rue Bernier est assez difficile. Oui, mais effectivement, l'année prochaine, elle va être refaite. Elle va garder les mêmes dimensions, mais remplir les fossés, faire les bordures des bordures sur les côtés, là, des choses comme ça, pour qu'elles soient vraiment plus jolies. Vous aussi, vous parlez de buts de ralentissement. Je pense que c'est des dos d'âne aussi, là, dans le même principe. Est-ce qu'il y a des endroits ciblés dans le district? Bien là, c'est ça, on va regarder un peu, parce que moi, je pensais que c'était vraiment plus sur Douglas. Mais là, vraiment, il y a Alexis Lebert aussi, incroyable. Il y a Augustin Gauthier. Ça roule assez vite. Oui, vraiment, il y a quelque chose à faire. Là. Fait que, tu sais, on va regarder, mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose, et oui, assez rapidement. Monsieur, sans façon, dans le 11, c'est un district où il y a beaucoup de... où ça tourne beaucoup, hein, les gens, les bons et les immeubles, les blocs appartements, là, tout ce qui est Bonneau, Le Sieur et compagnie, les rues Contant. En même temps, c'est un quartier qui est tout rempli. Vous avez l'hôpital là, qui est en construction pour les prochaines années. De quoi les gens vous parlent et quels sont les enjeux et les priorités dans le 11? Moi, quand j'ai fait le porte-à-porte, j'ai entendu souvent parler de la vitesse, comme qu'on a dans d'autres districts aussi. Ce qui arrive, c'est que vu qu'il y a des rues qui ont beaucoup de stops, ils prennent d'autres rues plus basses qui sont en ligne droite linéaire, puis ça y va rapidement. Ils m'ont demandé de voir si on pouvait mettre soit un accentuer la police ou soit, comme qu'on parle, des dos d'âne. Parce que comme si on prend exemple Mayou, qui a un stop et le reste, ils vont jusqu'en haut rejoindre Gérard, il y a beaucoup de monde qui vont vite, plus que la limite qui est demandée. Après ça, d'autre côté aussi, ce qu'on m'a demandé, c'est un peu la revigorisation, c'est améliorer la caldrataire des anciens concessionnaires. Là, maintenant, il y a l'Honda, mais aussi les anciennes bâtisses. On pourrait revigorer ça pour pouvoir améliorer la vie du quartier. La rue Laverge. Oui. C'est ça. Comme ça, on pourrait faire comme exemple, vous avez vu les assurances B7? Mm-hmm. On change comme le zonage pour qu'ils puissent, on va dire, monter à 4 étages, faire des tours à bureau. Comme ça, des nouveaux commerces pourraient arriver. Ça va revigorer. Comme ça, les autres appartements en arrière aussi pourraient avoir une revigoration, ce qui a un effet d'entraînement.
Ça, parce qu'il y a 20 ans, c'était comme tout nouveau le quartier. Là, ouais. les concessionnaires ont changé de district, là, de quartier, en fait. Là. Donc, vous, c'est un secteur que vous souhaitez, dans le fond, revitaliser. Si on revitalise, ça va améliorer le reste du quartier. Monsieur Harwood, donc, à l'autre bout de la ville, Île-Sainte-Thérèse et 80, il y a eu le développement de Colibri là, qui se poursuit. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec le choix déterminé par le complexe sportif? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est sûr que c'est sensible pour certains gens parce que, oui, ça se trouve dans une zone où il y a le boisé, d'un côté le boisé forcier, le boisé des Colibris. Boisé Colibris reste que la portion où ça s'en va. C'est une forêt de première génération, donc la valeur environnemental, c'est pas la même que des arbres d'une deuxième génération qui ça fait 40-50 ans qu'ils sont là, puis c'est pas la même situation. Puis on est après créé un pôle à ce niveau-là aussi. On souhaite raccorder via une passerelle vers l'autre côté de la mairie, rejoindre des Colibris aussi, donc donner accès aussi aux citoyens de Saint-Luc de l'autre côté vers ce pôle-là aussi. Donc c'est un point de rassemblement pour deux portions de Saint-Luc qui pour l'instant communiquent peu. Aussi, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le développement domiciliaire? Parce que dans votre district, il reste encore des terrains à développer sur l'île et même en haut de Jean Talon, notamment Colibri. Le développement domiciliaire, est-ce qu'on le freine? Est-ce qu'on le garde tel quel? Est-ce qu'on l'accentue? Il faut fort que ça ralentisse un peu par rapport au rythme des dernières années. C'est sûr que l'île s'intéresse depuis que les services ont été passés. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des terrains, qui ont divisé leurs terrains, ont plus besoin de l'espace pour les fosses septiques, et ainsi de suite. Ça a changé la dynamique, mais ça a aussi une grosse pression à la hausse sur la valeur foncière des maisons, grosse pression sur les taxes pour ces gens-là. Plus on développe, plus il y a cette pression-là, puis les gens nous en parlent aussi. Donc, il faut ralentir un peu. Les services qui ont été passés, ils sont adéquats, mais un petit peu ralentir. Vous parlez également de l'aménagement de buts de ralentissement, mais des buts allongés sur la rue Bay-Argent. Ça pourrait ressembler à quoi? Donc ça, c'est des buts qui sont faits vraiment plus sur le long. Donc, ce n'est pas nécessairement les petits buts. C'est pas un dos d'âme. C'est pas un dos d'âme en tant que tel. Là. C'est parce qu'il y en a qui sont amovibles, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment plus long pour justement permettre après ça le passage de véhicules d'urgence. Mais pour les véhicules, par exemple, des véhicules automobiles, mais eux autres, ils n'ont pas le choix de ralentir. Pour l'avoir fait, il y a des rues justement comme Bay-Argent, entre autres. Puis c'est pas la seule, parce qu'en faisant le tour, on s'en rend bien compte. Il y a des rues telles que Doquier aussi, qui est à l'entrée de l'île, qui sert de passage pour un quartier qui s'est développé aussi. C'est des rues qui ont été faites dans le temps où c'était pas vraiment urbanisé. Mm-hmm. La vocation quasiment de ces rues-là a changé aussi. Donc, il faut voir un peu tout cet aspect-là. Puis même que la rue Bay-Argent, une solution court terme, c'est de regarder les buts de rallongement, les buts rallongés. Mais éventuellement, il va falloir discuter, mettre en place l'urbanisation de la rue Bay-Argent parce qu'il y en a du trafic, ça sert pour presque 5000 personnes. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne fin de campagne électorale. Merci bien. Merci, félicitations. Restez avec nous, puisqu'au retour, on prend une petite pause de la campagne électorale pour vous parler d'un investissement de 7 millions de $ à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le gouvernement du Québec a annoncé un prêt de 2,1 millions de $ au Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu pour la construction d'un troisième immeuble, cette fois sur le site de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, un bâtiment qui aura une superficie de 50 000 pieds carrés. Avec nous pour en discuter, M. Luc Guérin, qui est le président du Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. M. Guérin, première question un peu banale, mais qu'est-ce que c'est le Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu? Le Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu, qu'on appelle de plus en plus CTIHR, ça a été créé en 2000. C'est pas une nouvelle chose qui est à Saint-Jean. C'est un incubateur industriel dont, comme vous l'avez dit, on a deux édifices à Iberville, dans le parc industriel, secteur Iberville. Et puis, on incube des entreprises en démarrage. Okay? Notre mission, c'est de stimuler le démarrage d'entreprises manufacturières, innovatrices autant que possible, pour apporter des emplois, créer des emplois dans la zone. Au total, on comprend que c'est un investissement de quoi? De 7 millions de $ si on inclut les deux autres bâtiments?
Oui, bien non, sans inclure les deuxièmes, le nouveau va être un investissement total de 7 millions. De 7 millions, uniquement pour le troisième. Oui, oui. Les deux premiers nous ont permis, depuis 10 ans qu'on les a et qu'on rembourse nos prêts comme tout bon citoyen, nous a permis d'avoir un levier financier qui nous fait nous permet de lever des fonds suffisants pour ce projet du troisième bâtiment sur l'aéroport. Bon. Pourquoi l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu? Ça, l'aéroport de Saint-Jean, c'est de concert avec les autorités municipales, dont l'objectif est de dynamiser l'aéroport. Et puis, il faut dire aussi que M. Édouard Bonaldo, le directeur général, qui connaît bien la ville de Saint-Jean, évidemment, pour avoir été pendant de nombreuses années directeur général, avait lui aussi à cœur de dynamiser l'aéroport. Donc, on avait au départ le projet de faire le troisième bâtiment sur le site actuel, mais on s'est dit pourquoi pas aller sur l'aéroport pour essayer de dynamiser cet outil-là et puis d'attirer des entreprises vraiment innovatrices puis d'avant-garde. Bon, l'annonce du gouvernement du Québec, c'est un prêt en quelque sorte? Oui, un prêt hypothécaire. C'est un prêt de 2 millions de dollars. Et la balance du financement vient d'où à ce moment-là? D'une banque commerciale. D'une banque commerciale. Oui. Bon. Est-ce que c'est difficile à monter ce genre de projet-là, le montage financier d'un projet comme celui-ci? Effectivement. M. Bonaldo a consacré presque 2 ans à négocier avec les banquiers, avec les autorités municipales, parce qu'il faut dire qu'on a la collaboration de la Ville de Saint-Jean pour le terrain et puis certains avantages fiscaux. Et puis, il y a aussi l'aspect financier bancaire. Mm-hmm. Il faut négocier des prêts hypothécaires assez élevés. Et puis, il y a de multiples technicalités, là, que ce soit pour le terrain, les bails, tout. Là. C'est certain que c'est plus que bâtir un bungalow. Là. Bon, pour les néophytes du monde industriel ou de l'économie, quand on parle d'incubateur, dans votre langage à vous, ça veut dire quoi pour les gens qui nous regardent? En fait, incubateur industriel, c'est une expression, un terme qui existe depuis 1986. Et puis, j'ai été peut-être parmi les premiers à en parler dans la région. C'est d'offrir aux entreprises en démarrage des locaux et des services de soutien technique pour les aider à développer leur plan d'affaires et le mettre en place, et peut-être aussi, en plus, d'obtenir des équipements et peut-être des équipements qu'on peut mettre à la contribution de plusieurs incubés. Ouais. C'est le principe général. Mais évidemment, au début, on parlait beaucoup d'aider les entreprises avec des services de secrétariat, des services de comptabilité, tout ça. Mais là, maintenant, cette partie-là, avec l'avancement de la technologie et puis que l'autonomie des propriétaires d'entreprises avec l'informatique, c'est diminué, ça. Mais nous, on l'appelle encore incubateur parce que c'est des locaux adaptés. On s'est aperçu, M. Bonaldo en particulier, que en prêtant de l'argent à des entreprises en démarrage pour qu'ils aillent s'installer dans des taudis industriels ou dans des sous-sols, ce n'était pas une bonne façon de les aider. C'est qu'en bâtissant des incubateurs industriels avec des locaux top niveau, bien là, on était capable de… Ils se sentaient mieux pour… Et puis, ils se sentaient des gagnants. Est-ce que les incubés, comme vous les appelez, peuvent y demeurer pendant une période donnée? Est-ce qu'il y a un délai après quoi l'entreprise doit, je ne sais trop, moi, se relocaliser ou voler de ses propres ailes? Effectivement. Le but de l'incubation, c'est que l'entrepreneur puisse s'établir en permanence ailleurs, autant que possible, assez près de l'incubateur dans les parcs industriels de la région du Haut-Richelieu, parce que c'est un outil pour aider le développement économique du Haut-Richelieu. Mmh. Mais nous, on ne fonctionne pas avec un temps limite, nécessairement. C'est pas 5 ans ou 10 ans, là. Ça peut aller jusqu'à 5 ans ou 10 ans, mais c'est 10 ans, là, je dirais que c'est un maximum. Ouais. C'est exceptionnel. La période d'incubation, dépendant des entreprises, ça va de 3 à 5 ans. Mais c'est plus que 3 ans. On s'est rendu compte que c'était plus que 3 ans. Anciennement, dans d'autres incubateurs au Québec, on a travaillé avec 3 ans. Mais le problème, c'est qu'après 3 ans, une entreprise, elle n'est pas encore en croissance et puis elle n'a peut-être pas les reins assez solides pour se bâtir elle-même ou aller dans une autre entreprise à location puis
être pris avec un bail là, ferme et puis être pris à la gorge. Si on prend l'expérience de vos deux bâtiments dans le parc industriel d'Iberville depuis l'an 2000, combien d'entreprises avons-nous réussi à supporter et à démarrer? On a un décompte qui donne à peu près 18 à 20 entreprises qui sont passées dans nos murs. Qui sont toujours en vie? Pour pas la plupart? Tout, pas tous. Pas tous, hein? Non, c'est parce qu'on sait qu'il y a un ratio de mortalité dans les entreprises, surtout les entreprises qui ne traversent pas la limite des 5 ans. Le 5 ans apparaît de plus en plus comme une barrière. Là. Ouais. Et par contre, on a des réussites. Là. Il n'y a pas d'en sortir. Je ne peux pas vous donner de nom spécifique parce qu'il y a le jeu des confidentialités. Tout à fait, là. Je comprends. Ouais. Mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui sont passées chez nous et qui sont bâties tout près dans le parc industriel d'Iberville. Et sans l'aide de l'incubation, elles n'existeraient pas aujourd'hui ou elles auraient beaucoup non. plus de difficultés. Mais quand même, je veux dire, c'est une aide quand même importante là, pour un démarrage d'entreprise. Oui, absolument. Mais il ne faut pas être prétentieux. Non, non, je comprends, mais... Mais c'est certain que la façon dont on peut parfois, les épauler... Manque, oui, là, le petit coup de pouce qui manque. Donc, possiblement qu'on a permis la survie de quelques bonnes entreprises. Bon, j'aimerais qu'on présente d'ailleurs l'affiche que vous nous avez amenée, qui est un petit peu grosse dans le fond. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette affiche, M. Guérin? Bien, en fait, c'est ça, le troisième bâtiment, la phase 3, qu'on va appeler le H2. Pour hangar, pour c'est hangar ça? 2, ouais. Parce que ça va être sur le site de l'ancien H2. Ouais. Il y a le H3, il y a le H4. Et puis, donc, c'est des locaux, on le dit, ça va être une superficie de 50 000 pieds carré avec les mezzanines, 40 000 pieds au sol. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de locaux, OK? On en a trois grands, OK, avec séparés ici, on voit bien. Ouais. Et puis deux plus petits. Et puis, on les veut un peu plus grands cette fois-ci pour permettre d'attirer des entreprises en croissance, OK? Non pas nécessairement en démarrage, en start-up, mais en... Et puis aussi, un élément nouveau, c'est que cette partie-ci, en gris, on voudrait qu'elle devienne un centre de référence et d'expertise technologique pour les entreprises de toute la grande région. Okay? Donc, ça va être un service plus qu'on veut offrir aux entreprises en démarrage, d'abord, mais aussi aux entreprises qui sont déjà dans le secteur manufacturier ici. Quand on regarde d'ailleurs sur votre croquis qu'on vient d'examiner, on voit, et vous me corrigerez, donc il y a de l'espace pour accueillir des avions à l'intérieur, c'est oui, ça? Oui, absolument, puisqu'on est sur l'aéroport. Donc, on veut attirer des entreprises qui ont besoin d'un aéroport. Donc, des entreprises industrielles. On ne parle pas de vols commerciaux, on parle pas de... On parle d'entreprises industrielles qui, soit pour la rénovation ou l'entretien des avions, sans prétention, peut-être pour aussi un constructeur d'avions. On pense que le fameux projet Dornier, dont on a parlé pendant plusieurs mois, voire même des années, si cet équipement-là avait été déjà sur l'aéroport, on l'aurait peut-être accroché. Et Dornier serait peut-être installé déjà à Saint-Jean. On dit bien peut-être. Mais c'est qu'on voudrait, avec cet équipement-là, de ne pas rater la chance d'un deuxième projet semblable. Et puis, on veut aussi que ça serve aussi à essayer de dynamiser la zone. Ici, on sait que Saint-Jean, le Haut-Richelieu, est dans une situation stratégiquement impeccable pour le transport. Transport routier, évidemment, transport ferroviaire, transport aérien avec l'aéroport. On voudrait essayer d'en faire une plaque tournante industrielle intermodale. Donc, attirer des entreprises qui ont besoin d'un aéroport, mais qui ont aussi besoin de camions, de camionnage, qui ont aussi éventuellement besoin de ferroviaire. Donc, la zone, elle est privilégiée à ce niveau-là. Bon, parce qu'on sait d'ailleurs que, bon, actuellement, on est en campagne électorale, c'est vrai, un peu partout au Québec. La semaine dernière, j'étais à Longueuil, et bon, on sait que la mairesse Saint-Hilaire a de fortes chances d'être élue, mais d'ailleurs, l'un des éléments de son programme vise le développement de l'aéroport de Saint-Hubert, qui ne fait pas l'affaire de tout le monde, d'ailleurs, parce que Mme Saint-Hilaire veut pousser l'aéroport davantage dans un service même de vols commerciaux. Il y en a déjà, là, des petits transporteurs, mais elle voudrait, je pense, avoir des plus gros transporteurs et recueillir un peu le débordement de Dorval en ce moment.
Donc, il y a peut-être des entreprises de Saint-Hubert qui seraient peut-être même intéressées à déborder vers Saint-Jean. Qui sait, l'avenir nous le dira. Mais tout ça pour dire que si, bien sûr, on investit autant et que le gouvernement décide de subventionner le projet, c'est donc qu'on voit qu'il y a une perspective d'avenir intéressante pour le développement de l'aéroport. Bien, nous, on a travaillé avec le CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, qui nous a dressé une cartographie du secteur du matériel de transport, autant au niveau aérien, terrestre que ferroviaire, et qui nous a identifié des opportunités d'affaires. Et effectivement, la recherche du CRIC a vraiment prouvé que dynamiser l'aéroport de Saint-Jean, c'était une bonne idée. Mais il ne s'agit pas pour nous là, d'en faire un aéroport commercial. On s'entend, comme je l'ai dit, c'est un aéroport à vocation industrielle et donc à un nombre restreint de vols qui va avoir lieu quotidiennement. Là, vous venez de rassurer du monde. Bien, je le pense. Monsieur Guérin, merci beaucoup. Bien, je vous remercie, mon cher Bonne ami. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente notre babillard quotidien. Pour célébrer les 20 ans de Famille à cœur, spectacle bénéfice présenté le mercredi 23 octobre à 19h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Le site Internet pour obtenir les renseignements. Débat des candidats à la mairie. Vous avez la grille horaire pour la diffusion. Débat qui était enregistré devant public au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean avec la collaboration de Génération XYZ. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Vous avez l'horaire, le site Internet ou le téléphone pour obtenir la liste des 30 dépositaires pour acheter vos cartes. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, DéricLatour.com. Bye-bye.